Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une vidéo majeure où je vais vous montrer les 10 astuces à faire absolument pour booster les performances de son PC. S'il y avait une seule vidéo à regarder parmi toutes celles que j'ai déjà réalisées, eh bien, ce serait celle-ci. Et il y aura même un petit bonus à la fin. Je commence par les astuces hardware, c'est-à-dire physique, et ensuite je ferai les software. Il n'y a pas de sponsor dans la vidéo, donc tout ce que je vais te présenter, c'est gratuit. Sauf si, évidemment, tu dois changer une pièce de ton ordinateur. On commence tout de suite avec la numéro 1. Si ce n'est pas encore le cas, à l'intérieur de ton ordinateur, tu dois mettre des disques durs SSD. En gros, à l'intérieur de ton ordinateur, soit tu as un disque dur HDD, avec un disque qui tourne à l'intérieur, soit tu as un disque dur SSD, bon là il y a un cache dessus, et là c'est des puces et c'est extrêmement rapide par rapport au HDD. Aujourd'hui, c'est exactement le même prix, et le temps de chargement du système d'exploitation sur un SSD est quasiment divisé par 10, donc c'est beaucoup plus rapide. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de votre ordinateur, tout passe par votre disque dur. Vous avez un système d'exploitation, sûrement Windows, qui est installé sur le disque dur. Donc déjà, le temps de démarrage, plus rapide. Ensuite, dès que vous allez lancer des programmes, ces programmes ils sont installés sur le disque dur. Donc pour y avoir accès, eh bien, votre système d'exploitation va aller chercher dans votre disque dur le code du programme. Et c'est donc pour ça qu'il est impératif d'avoir un disque dur SSD. Aujourd'hui, on a même des SSD M2, mais là, je ne peux pas forcément te conseiller de le mettre sur ton ordinateur parce que ça dépend de la compatibilité avec la carte mère. Pour connecter un SSD, il n'y a aucun souci, c'est la même connexion qu'un HDD. Donc pour vous, il suffira de cloner votre ancien disque sur le nouveau disque et ça vous changera vraiment la vie. En plus de ça, les avantages du SSD, ça ne s'abîme pas quand on le déplace, ça consomme quasiment pas d'énergie, c'est silencieux, ça dure plus longtemps, ça chauffe pas et c'est plus léger, donc il n'y a que des avantages. Le deuxième point hardware, ça va être d'augmenter votre RAM. C'est quoi la RAM? C'est une mémoire volatile, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on redémarre l'ordinateur, elle se remet à zéro et elle est utilisée pour stocker temporairement les données et les programmes en cours d'utilisation. Donc plus vous avez de programmes ouverts et plus vous allez avoir besoin de RAM. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour Windows 11, rien que le système d'exploitation, il a besoin de 4 Go de RAM. Donc si vous avez que 4 Go sur votre PC, et ben tout ce que vous allez faire, ça va prendre 1000 ans. D'ailleurs, peu le savent, mais même le système d'exploitation, il est chargé dans la RAM. Donc c'est pour ça que c'est quand même super important d'avoir de la RAM. Pour changer des barrettes de RAM, c'est pareil, c'est super facile. Sauf si vous êtes sur un PC portable, il se peut qu'elle soit soudée. Mais sinon, c'est très facile. Et c'est pareil, ça ne coûte pas si cher que ça. Là, je vous conseille de ne pas mettre 64 Go de RAM, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas 4 non plus, en fait. Donc 8, 16, ça va très bien. 16, franchement, pour la plupart des choses aujourd'hui, c'est largement suffisant. Troisième et dernier point hardware, on va surveiller la température du PC. Comment on fait ça? Eh bien, on peut télécharger un petit logiciel gratuit qui va nous dire toutes les données qu'il y a à l'intérieur de notre PC. Et quand je dis à l'intérieur, c'est sous son capot. Vous pouvez par exemple télécharger HW Monitor, qui est un outil simple et convivial qui va vous permettre tout simplement d'avoir les données en temps réel de votre ordinateur. Comment c'est possible d'avoir les données en temps réel? Bah en fait, tout simplement, vous avez un BIOS, donc un micro-logiciel qui est avec la carte mère, qui va lui tout le temps demander des informations sur tout. Ce micro-logiciel, c'est lui qui va gérer tous les composants internes. Et justement, pourquoi c'est important de vérifier la température? Puisque si la température est trop haute, le BIOS va dire attention et il va brider les performances pour ne pas endommager tout simplement vos composants. Donc le CPU, votre processeur, il chauffe énormément. C'est normal s'il est à 60 degrés, c'est pas grave. Par contre, s'il commence à monter à 80, 100 degrés, là il faut se poser des questions. Sachant qu'à l'intérieur de votre PC, il y a énormément de choses qui chauffent, il faut quand même bien vérifier ça. Et il y a quelque chose qui est quand même très important, que ceux qui ne font pas d'informatique ne connaissent pas du tout, mais ça va être la pâte thermique. Il va falloir en fait que vous mettiez de la pâte thermique entre votre processeur et votre ventilateur, ou en tout cas le système qui permet de refroidir votre processeur. La pâte thermique, comme son nom l'indique, c'est un conducteur thermique. Donc vous mettez votre processeur sur le dessus de la pâte thermique et encore dessus le ventilateur. De base, ça y est en fait sur votre ordinateur, mais vous, ce que vous allez devoir faire, c'est devoir la changer si vous voyez que la température elle augmente. Normalement, si votre processeur il est assez puissant, ça change tous les ans. Allez voir tous les 2 ans, ça dépend de l'utilisation. Ça coûte pas grand chose et ça peut vraiment améliorer les performances. On passe au software. Je vais vous proposer plusieurs solutions. 7 solutions et la première, c'est de désactiver BitLocker de votre PC. BitLocker, c'est quoi? C'est tout simplement un petit logiciel qui va vous permettre de chiffrer les données sur votre disque dur. Il a été conçu pour fonctionner de manière transparente et avoir un minimum d'impact sur les performances de votre PC. Mais c'est pas tout le temps le cas. Parce que chiffrer à chaque fois les données et les déchiffrer, eh ben, ça prend du temps et des ressources.
C'est d'ailleurs la même chose si vous naviguez sur Internet avec un VPN. C'est exactement le même principe, les données sont chiffrées à chaque fois et déchiffrées. C'est pour ça un VPN, c'est bien, mais votre connexion, elle sera pourrie. Et bien là, c'est la même chose à l'intérieur de votre ordinateur. BitLocker, il va ralentir vraiment l'accès aux données. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste sur le dossier de vos données sensibles, le chiffrer avec BitLocker et le reste, ça ne sert à rien. Deuxième point, un des plus faciles, mais pourtant, bah, il est souvent ignoré, c'est tout simplement mettre à jour votre système d'exploitation pour avoir accès justement aux améliorations de performance et aussi aux correctifs de sécurité. Et avec ça, vous allez pouvoir mettre à jour les pilotes aussi qui vont servir en fait à faire fonctionner tous les périphériques qui sont raccordés à votre PC, tout simplement, que ce soit en interne ou en externe. Donc on met à jour, c'est pas compliqué. Vous pouvez bien sûr programmer les mises à jour automatiques. Comme ça, ça se fait tout seul. Le point suivant, nettoyer votre disque dur. Et quand je dis nettoyer, je parle ici des données. Enlever les choses qui ne servent à rien. Libérer de l'espace. Alors là, il y a plusieurs choses à enlever. Déjà, les programmes dont vous ne vous servez plus. Tout simplement, vous allez aller les enlever avec l'utilitaire de désinstallation de programmes. Comme ça, c'est fait proprement. C'est d'ailleurs à cette étape qu'on se rend compte qu'on a énormément de programmes qui ne servent à rien. À cet endroit-là, il y a beaucoup de choses. Et un deuxième endroit aussi, ça va être dans vos téléchargements. La plupart du temps, si vous n'avez pas fait de stratégie de suppression des fichiers qui sont dans le dossier téléchargement, eh bien, votre dossier téléchargement, il va avoir énormément de choses dont 99% ne servent plus. Donc pour ça, vous pouvez automatiser la suppression du dossier téléchargement, par exemple 30 jours juste après qu'un fichier soit installé. En gros, votre fichier, il reste 30 jours maximum. C'est très facile à faire. Et franchement, c'est garanti, c'est utile. Il y aura également d'autres choses à supprimer, mais je reviens juste après dans un nouveau point. Pour l'instant, on passe au point suivant qui est désactiver les programmes au démarrage. J'ai carrément fait une vidéo complète là-dessus parce que quand vous démarrez votre ordinateur, il y a plein de programmes qui vont se démarrer automatiquement avec ces programmes. Déjà, le démarrage, il va être ralenti à cause d'eux. Et en plus, ils vont continuer de fonctionner en arrière-plan. Donc, il va y avoir des services qui vont être activés, qui vont consommer des ressources de votre ordinateur, qui vont ralentir les performances générales et globales de votre ordinateur, tout simplement. Pour ne pas que ça arrive, eh bien on va aller choisir ce qui est important de lancer au démarrage de Windows. Évidemment, il y a quand même des programmes nécessaires, mais la plupart ne sont pas nécessaires. D'ailleurs, vous ne savez même pas qu'ils démarrent avec Windows. Pour vraiment en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo. Next point, utiliser un logiciel antivirus léger. Il y a des antivirus qui passent leur temps à scanner votre PC et ça, ça consomme énormément de ressources. Et en plus, généralement, ça ne sert à rien. Puisque je vais vous dire un secret, rien de mieux que Windows pour protéger un Windows. Le meilleur antivirus gratuit de Windows, c'est Windows Defender, celui qui est intégré à votre Windows. Il a été fait pour Windows, donc il a un faible impact sur les performances du PC. Il y a toutes les mises à jour auto, il y a la protection en temps réel, et bien sûr la détection et la suppression des logiciels malveillants. Il y a également un pare-feu. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour la sécurité à l'intérieur de Windows Defender. La seule chose à faire, c'est de le mettre à jour. Et donc, si vous avez d'autres logiciels antivirus d'installer, ou anti-malware, ou anti-tout ce que vous voulez, vous pouvez tout virer, parce que Windows Defender, il fait tout, et il le fait très bien. Pour enlever un antivirus déjà installé, c'est pareil, c'est dans les programmes désinstallés. On passe au suivant, utiliser un logiciel de nettoyage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir supprimer sur votre PC. Des choses que vous ne savez pas ce que c'est, ni où elles sont, ni à quoi ça sert, j'imagine. On va aller supprimer les registres et on va aller supprimer les fichiers temporaires. Mais ça, vous n'allez pas le faire manuellement parce que c'est un peu trop complexe et vous risquez de faire une catastrophe sur votre PC, c'est pas ce qu'on veut. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un registre et un fichier temporaire ? Un registre, c'est une grande base de données qui est cruciale pour Windows et elle stocke les informations de configuration et de paramétrage du système d'exploitation et aussi des applications. Et c'est elle qui permet au système de fonctionner de manière cohérente et efficace. Sauf qu'il y a plein de bases de registres qui ne servent à rien parce qu'elles sont créées au cas où vous voulez faire quelque chose. Donc il y a plein de clés de registres qui peuvent être supprimées sans aucun souci. Et les deuxièmes choses, c'est les fichiers temporaires. Alors là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un fichier qui a été créé temporairement par un programme ou alors par le système d'exploitation pour stocker des données qui vont être éphémères. C'est comme quand vous allez sur le web, eh bien, il y a des données qui sont mises en cache. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est des données qui sont chargées une fois, mais qui sont utilisées plusieurs fois. Au lieu de les re-télécharger à chaque fois, eh bien, on télécharge une fois et ensuite, c'est plus rapide. Comme données temporaires, on a par exemple justement le cache. Ça existe sur les navigateurs, mais ça existe également sur votre ordinateur.
L'installation des mises à jour peuvent être aussi des fichiers temporaires. Quand vous traitez des gros fichiers, il y a également des fichiers qui sont mis de manière temporaire. C'est en gros des données intermédiaires. Votre gros fichier, il est découpé. Quand vous utilisez les programmes, il y a aussi de la mise en cache de données. Pour toutes les données qui sont fréquemment utilisées, je vous disais, ça marche sur les navigateurs, mais aussi avec les programmes. Les sauvegardes temporaires. Et oui, quand vous travaillez sur un document sur Microsoft Office, par exemple, vous voyez que vous avez des backups. Eh bien, ils ne sont pas par magie, ils sont enregistrés quelque part. Comme ça, si vous fermez Central Express sans enregistrer, eh bien, vous avez quand même une possibilité de restaurer le fichier. Et c'est quoi le problème avec tous ces fichiers temporaires? Eh bien, c'est que tout simplement, des fois, ils ne se suppriment pas. Et quand je dis des fois, c'est très souvent. Donc, tout ce qu'on veut, c'est trouver un logiciel qui va supprimer tout ça sans se prendre la tête. Là, vous avez l'excellent logiciel CCleaner. La version gratuite fait vraiment dénarrer. Avec la version payante, vous pouvez faire d'autres choses, mais que vous pouvez très bien faire manuellement. CCleaner, il va nettoyer les fichiers temporaires, ces fameux fichiers, les caches, les journaux d'événements et tous ces fichiers qui s'accumulent et qui ne servent plus sur votre disque dur pour eh bien, libérer de l'espace. Il va également nettoyer les registres, tous ceux qui sont inutilisés et ceux qui sont obsolètes. Et concernant Internet, il va également supprimer tous les cookies avec toutes les données de navigation qui ne sont pas importantes. En plus, c'est une bonne chose parce que ça protège votre vie privée. Et une dernière chose, il va nettoyer les fichiers résiduels. À chaque fois que vous désinstallez un programme ou que vous supprimez des choses, eh bien des fois, il reste des petits fichiers indésirables qui ont envie de rester sur votre ordinateur, par exemple des configurations ou alors certaines choses comme ça qui ne se suppriment pas. Et bien lui, hop, il va tout nettoyer. Donc, CCleaner est votre ami. On va passer au dernier point, vous en avez peut-être déjà entendu parler, un logiciel qui permet de défragmenter la RAM. D'ailleurs, vous pouvez défragmenter votre disque dur si c'est un HDD, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez le faire, ça va permettre de réorganiser les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Eh bien, avec la RAM, c'est possible de faire la même chose avec un logiciel qui est un petit logiciel qui défragmente la RAM. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien, non. En fait, contrairement aux idées reçues, ça ne sert à rien et ça peut ralentir votre PC et ça peut également le rendre beaucoup moins stable. Parce que tout simplement, les systèmes d'exploitation évoluent et ils ont un logiciel interne qui permet de gérer cette RAM, qui va adapter les besoins en fonction de l'utilisation. Et c'est vrai pour un logiciel de défragmentation de la RAM, mais c'est vrai aussi pour plein de logiciels que vous allez installer pour booster les performances. À part CCleaner, il n'y a rien à installer, parce que plus vous allez rajouter des programmes qui vont soi-disant booster les performances et améliorer les ressources, et bien plus ça va être mauvais pour votre ordinateur, parce que ces programmes, il faut bien les faire tourner. Donc le mieux, c'est de ne rien installer du tout. Votre système d'exploitation aujourd'hui, il est grand, il est fort et il le fait tout seul. Et la dernière chose justement qui pourrait vraiment libérer de l'espace, de la RAM et tout ça, c'est redémarrer votre ordinateur. Et oui, tout simplement, parce que la RAM c'est de la mémoire volatile, donc à chaque fois ça la remet à zéro, à chaque fois qu'il n'y a plus de tension. Et redémarrer l'ordinateur, ça permet de fermer tous les fichiers inutiles, tous les processus en arrière-plan et tout ce qui ne sert à rien. Un petit reboot, c'est vraiment le point numéro 1 de tous les techniciens, juste rallumer l'ordinateur. Comme avec votre box internet, ça résout 98% des problèmes. Allez, on fait un petit récap de tout ce qu'on a vu en hardware. On avait changé votre disque dur par un SSD, si jamais c'est un HDD. Très 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 important, c'est peut-être le point qui va tout changer si vous avez un assez vieil ordinateur. Ensuite, augmenter la RAM. Un petit tuto sur YouTube, vous trouvez en 2 secondes comment on fait, c'est vraiment pas compliqué. Nettoyer votre disque dur et défragmenter-le si c'est un HDD. Si c'est un SSD, il y a des outils d'optimisation, mais normalement, ils sont faits automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de le faire. Si votre système d'exploitation est à jour, d'ailleurs, c'est le point d'après, mettez à jour vos systèmes d'exploitation, vos pilotes, tout ça. En fait, tout simplement, il suffit d'aller dans Windows Update, ça le fait tout seul. On a vu également qu'il fallait surveiller la température du PC, mettre un petit peu de pâte thermique s'il faut, ne pas avoir peur d'ouvrir votre ordinateur. Alors attention, s'il est sous garantie et que c'est un PC portable, c'est pas la même chose. Mais sinon, ne pas avoir peur de l'ouvrir. Vous allez voir, à l'intérieur, ça fait peur au début, mais en fait, c'est super facile. Il n'y a pas énormément de choses que vous pouvez changer. Ensuite, on a vu désactiver BitLocker, gérer les programmes qui démarrent au démarrage, garder Windows Defender et virer tous les autres logiciels antivirus et même justement tous les autres logiciels qui vous vendent du rêve en boostant votre PC, en faisant n'importe quoi. Parce que d'ailleurs, il y a des logiciels qui peuvent faire ça en overclockant votre processeur, votre carte graphique. Ça veut dire que ça va au-delà des normes constructeurs, ils vont les faire tourner bien plus élevés que ce qui devrait être fait, et du coup, ça va détruire vos composants. Donc, virez-moi tous ces programmes, pas besoin, et le seul qui vous sera vraiment bénéfique, c'est CCleaner. Vous désactivez les notifications, là, pour qu'il ne vous envoie pas de trucs. CCleaner, il vire tout ce que vous ne savez pas où c'est. Alors, c'est d'ailleurs un petit scan de temps en temps, vous allez voir, ça va vraiment
vous aider et supprimer pas mal de choses inutiles. Et le dernier point, le plus crucial, le plus important de tous, redémarrer votre ordinateur. Ça, c'est vraiment important. De temps en temps, hop, un petit redémarrage. Et c'est incroyable. C'en est terminé pour cette vidéo qui avait plein de contenu, vous l'avez vu. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter des connaissances et que votre PC va revivre. Et si ce n'est pas le cas, changez de PC, ce sera beaucoup plus rapide, si vous pouvez bien évidemment. En tout cas, moi je vous dis thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus !